Vous êtes dans un lieu de l'histoire de France. Hein, avec... Eh bien, j'en suis très honorée. Donc, la passion, mais on va trouver les gens de l'époque et on va trouver, imaginez-vous, Charles Quint en personne, avec les Lansquenets, les Espagnols. Et vous, vous dédiez votre vie à ça, à rechercher les origines, l'histoire. C'est passionnant, l'histoire. C'est passionnant, surtout quand on a des attaches quelque part. Vous voyez, on remonte très loin comme ça. Et puis... quand on tombe dedans, pas à la naissance, mais presque, eh bien, on continue toute sa vie. On peut pas. Moi, je vous assure qu'on me dit, mais comment tu fais des fois toute seule? Je suis bien ici. C'est habité. Imaginez, 1521, il y a du monde ici que je connais. C'est des familles de gens qui sont toujours dans la région? Il y en a encore, oui. C'est génial. Hein, mais c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est extraordinaire. Il a été construit par deux frères compagnons, ce Jubé, et il a été terminé en 1521, il aura donc bientôt 500 ans. Et près de 5 siècles plus tard, les décorations et les gravures sont toujours intactes.